Et là ce soir en fait ce qui s'est passé c'est que ce matin il y a eu un comment dire un appel à l'aide si je puis dire qui a été lancé par Ken Hoang qui s'appelle Liquid Ken si vous voulez aller voir sur Twitter et qui eh bien en fait qui demandait de la team Liquid qui demandait un petit peu d'aide sur son frère. Alors c'est pas la team Liquid Rainbow Six, il me semble qu'il est professionnel chez Team Liquid sur Smash Bros, mais bon ça reste la communauté du gaming. Et forcément, voilà, il s'avère que son frère en fait s'est fait opérer et on n'est pas tous dans France parce qu'on râle souvent quand même hein, sur la France, on râle souvent. Mais c'est quand même sympa de savoir parfois que tu peux te péter les jambes au ski et que tu auras presque rien à payer. Alors que là-bas, c'est pas tout à fait le cas. Donc il y a un truc qui a été fondé, qui a été fait, qui s'appelle le GoFundMe, dont vous pouvez retrouver le lien si vous voulez faire les dons directement, allez-y, clairement. Il n'y a pas de truc, machin, bidule, on s'en fout. Le but du jeu, c'est forcément qu'il arrive à atteindre la somme maximale, à savoir, je crois que c'est 25 000 euros le coût de l'opération, 3 jours à l'hôpital. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Donc ce soir, rien d'extraordinaire. On fait exactement la même chose que d'habitude. Mais si ce soir, il y en a qui ont la générosité, pour une fois, vous m'entendrez dire faites des dons, ce qui n'est pas vraiment le cas normalement sur la chaîne. Et bien si vous les faites, on ira après les reverser directement sur le GoFundMe sur le GoFundMe de ce beau truc, je pense. En tout cas, voilà, on va leur montrer un petit peu ce que c'est la communauté française aux Brésiliens. Qu'on n'est pas que là pour envoyer Vitality au Six Invitational, même si c'était extrêmement important. Là, il y a une vie en jeu, donc ça l'est d'autant plus. Merci, mais donne plus. Merci. Sale radin. Merci beaucoup. Regarde, il fait un alt-tab du coup. Hop. Envoyé spécial. Moi je suis en chasse au terreau, je suis en train de me chauffer en comme un gros sabbatuel. Un viewer a claqué son pré-étudiant. Déjà 20 euros pour Supra, merci infiniment. Il aurait fallu que je mette une barre de don, un truc. Une barre, ouais. Ça aurait été sympa, putain, je suis un peu con. Ouais, ouais, mais tu penses à rien. Ah ouais, j'avoue. Tranquille, on lance en casu parce qu'après, il faut aller taper les games de classement. C'est quoi ton pseudo? Skull Copper. Skull Copper. Attends. Ah mais c'est toi enculé qui m'a demandé si je suçais des queues. Mais mec j'ai failli te ban. Mais j'ai failli te ban, j'ai fait ce petit fils de pute là qui vient me voir et qui me demande si je suce des queues quoi. Putain. C'est le vrai compte. Ah bravo. Envoyé spécial BFM TV en direct de l'académie du tel. Merci à Carry25, merci infiniment pour les dons. Nous en sommes donc à 40 euros. Faudrait peut-être que tout à l'heure je ferai une pause. Ah, je sais que je vais pas le faire de toute façon parce que je sais pas trop comment faire les barres. J'ai jamais fait ça. Oh, ok, d'accord. Bon, bah, tout le monde va mourir. Je vais voir personne. Ah, je l'ai pas eu. Putain, tu m'as pris mon skull Copper. Putain, on aurait dû. Couper le skull. Ah, Skull Copper, le roi du roller. Skull Copper, le roi du l'air d'hammer. Bon, enfin là, t'as coupé surtout en plat travers du. Bah, les couilles, je les ai mis les deux. Ah, bah, les couilles, hein. J'ai pas un ace, YouTube. Oh, le Thatcher. Eh ouais, mec. Et tu vas voir la fin. Faut que je termine premier. Ouais, bon. Ouais, bah ouais. Ah, bah ouais, c'est ça qui est con avec les skins de Mary, c'est qu'il peut pas vraiment les rentabiliser en fait. Il y a 50% des trucs qu'il peut pas faire. Vu qu'il est jamais MVP. Commande, moi j'ai une commande. Point. Vous faites point d'exclamation liquide. Liquide. Sans le E à la fin. En direct de l'académie. Et vous comprendrez pourquoi on fait ce soir une opération caritative où on reverse tous les dons qui nous sont faits. Pour le membre de la famille du joueur de la Team Liquid qui est hospitalisé et qui a des frais d'hôpitaux assez importants. Ouais, 25 000 euros. 25 000 dollars. Voilà. El Supra qui a donné à Susu le vrai. Donc Susu le vrai, eh bien, il rejoint les étudiants de cette Salty Academy. Viens sur Discord, Susu, si t'es toujours là, peut-être. Qui s'est fait défoncer. L'arme, le logo de l'arme ne correspond pas du tout à l'arme. Vous avez remarqué? Très étrange. Le logo de l'arme ne correspond pas du tout à l'arme, c'est-à-dire. Je n'en dirai pas plus.
va partir du coup sur le casque avec le décalage de la part de Skull. Le premier décalage, mais c'est magnifique, mais quelle rapidité d'exécution. On n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de la Pro League. Oh là là, le décalage encore une fois de plus, il n'en met absolument aucun au sol. C'est le Valérie D'Amido de Rainbow Six. Il a repeint tout le mur. Quelle merde, quelle grosse merde. Vraiment, voilà, tout simplement. Bah ouais, il les reste. Bah ouais, mais bon, t'as qu'à arrêter de lui shooter les genoux aussi. Tu as bien joué, Mary. Mais c'était, c'était compliqué, c'était compliqué. Mais je les ai mis à terre, les deux. Non, non, franchement, c'était pas si mal. Les décalages étaient pas si mal. C'est pas facile à jouer Blitz, en fait. Non, c'est pas évident. Non, franchement, c'est pas évident. Et je trouve que pour une personne qui ne joue pas depuis si longtemps, tu... impressionnant. Tu fous de ma gueule ou... Un petit peu. Moi j'en ai marre. Moi, un jour tu vas. Franchement mec, arrête avec Blitz, tu pues la merde. Tu pues la défaite, tiens, tu te le prends dans la gueule cet ascenseur émotionnel. Là tu y as cru en plus ça. Hein. Ils disent non mais c'est vrai, c'est pas facile et tout. Quelle fiotte. Bah, non, non j'avais des belles décales. Non, belle décale. Qui tapez 1 si vous pensez que c'est une belle décale. Je dois avoir. Tapez 2 si vous pensez que c'est une décale de merde. Depuis hier je joue Blitz, je découvre depuis hier le joueur. Oh non, t'as pété mon truc. Alors ça faire ça c'est waouh. Oh le gameplay, regardez le gameplay du waouh. Waouh. Il bord et vient découvrir la magie avec nous, il y a pas de problème, non, j'espère Romain, que ça va. Mais non Romain, prends rétablissement. Attends, on engueule Romain. Ouais Romain, putain, le TTS c'était... On est pas sur le TTS mec, mets-toi à jour, t'as une mise à jour qui a été faite dans ton crâne ou quoi là. Oh, hey. Non on n'est pas sur le TTS, on est actuellement sur... Ça sonne mal quand t'es vénère toi. Ouais, ça le fait pas. T'arrives pas à te faire passer pour un mec con. Non. Si, je peux le faire, je suis un bon comédien. Non, t'es pas un bon comédien. Si, je suis un bon comédien, je suis un acteur. Acteur studio, tu connais? Ouais, je connais, ouais, justement, et studio, je veux bien, mais... T'es une mise à jour de 6Go, tout à fait. Alors, j'ai envie d'être un youtubeur comme ça, moi, ce soir. Tout ou alors à fait, Rayman, Asshole Gamer, Rayman, c'est une mise à jour de 6Go ce soir pour vous, en direct. C'est assez dingue, la mise à jour qu'il y a eu donc ce soir sur les lives de Rainbow Six Siege en compagnie de 6-4 qui nous rejoint actuellement pour une game tout à fait palpitante. C'est ça que vous voulez en fait, vous voulez de l'action, vous voulez de la réaction, vous voulez de l'engagement, vous voulez qu'on se donne, qu'on mette notre peau sur la table pour vous faire vibrer pendant les lives. Et ben c'est ce que je vais faire, je vais tout foutre en l'air. Oh. Comment j'ai fait ça? J'ai réussi à faire sauter mon drone en tapant sur... Ah! Alors que j'appuie même pas sur la barre espace, juste sur le bureau, regardez. Ok. Moi tu veux fermer ta gueule, oui? Enlève tes lunettes, elles te servent à rien, elles te brouillent la vue là. Tocard. Ah, regarde, je vois fou, mec. Oh. Mais j'ai besoin des lunettes, ça me donne un buff. Je me sens bien après. Y'a un rond, j'arrive à tirer dans ce rond, moi, tu vois. Ça me donne un look. C'est le mec. Mais regarde le racal le plus pourri esthétiquement. Bah, c'est la classe. Le mec, attends, on va pas se mettre à dos toute une nation, mais le mec, il faut se remettre dans le contexte. Il est de quelle nationalité, Rakam? Nationalité espagnole. Ok, t'as déjà vu un espagnol qui avait du goût? Non, les mecs, ils ont inventé des iguales, tu vois, le truc, quand tu rentres dedans, t'as une crise d'épilepsie, donc bon... C'est vrai. Avec le truc, je pense ce soir, je pense que j'aurai le temps. Bah tiens, justement, en parlant de dons, merci à Lo qui vient de donner 5 euros. Merci pour Ken, merci pour la Team Liquid, merci pour eux. Maestro. Ouais, je vais aimer ça. Merci infiniment, JS Jack. Je donne pas d'argent aux gens que je ne connais pas. Eh bien, tu donnes à moi et moi, je donnerai à la Team Liquid et en particulier aux frères de Liquid Gen. Merci infiniment. Merci. Merci Romain. Merci Romain pour le don.
Ah ouais, je pense que... Merci pour ton don, pense à recommencer plus souvent. Je te connais depuis peu, mais vous êtes des bons. Merci Nico pour ces 10 euros à l'Académie du Sel, et donc qui sont reversés à qui à... Putain, comment on dit le truc? J'ai oublié le nom, le truc de Team... Le... Bon, reversement... Team Liquid pour... Oui, voilà, Team Liquid, merci. Ouais, merci pour les dons. Mais en fait, c'est juste qu'on vous embrouille, et en fait, c'est pas à Ken qu'on va le mettre, c'est on va vous Ken, et on va se barrer en Thaïlande. Mais ouais, on va aller en Camargue.